Après 3 mois de compétition, Pierre a été sacré grand gagnant de la Star Academy 2023. À cette occasion, le jeune chanteur se livre sur les différents moments qui ont marqué son expérience sur TF1. C'est ainsi qu'il a révélé avoir été profondément marqué par une rencontre particulière avec une femme au château. Il a débarqué au château de Damary-les-Lys le 4 novembre dernier sans s'imaginer une seconde le destin qui l'y attendait. Pierre, qui pensait rester 2 semaines tout au plus au sein de la compétition, n'a fait ses adieux à la superbe demeure qu'à la toute fin de la Star Academy 2023. Et pour cause, il en est ressorti grand gagnant. Un joli sacre pour le jeune homme de 21 ans qui ressort, comme tous ses camarades, grandi de cette belle aventure. Plusieurs souvenirs resteront ainsi gravés en lui à jamais, comme sa rencontre avec Lara Fabian qui a tout bouleversé en lui. Pierre, Star Academy 2023, en larmes dans les bras de Lara Fabian, c'était fin janvier dernier, à quelques jours seulement de la grande finale de la Star Academy 2023. Pierre et Elena, les 2 demi-finalistes, ainsi que le finaliste Julien ont eu la chance d'échanger avec Lara Fabian, invitée de Marco Château. Alors que la chanteuse tentait de répéter avec Pierre, choisi pour interpréter son tube J'y crois encore, l'état de santé du candidat a inquiété la star. Cette dernière avait alors proposé à Pierre de s'allonger par terre. « Je sens qu'il y a une grande tension dans ton corps, tu es tendu, ton corps a un souci avec la gravité », avait-elle noté. Et Pierre de confirmer le diagnostic, « Oui, si est-il exactement ça, je me bats avec la gravité. » Finalement, le complice d'Elena a suivi les paroles de Lara Fabian jusqu'à fondre en larmes dans ses bras. Quelque chose a lâché. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui m'arrive, avait-il déclaré, complètement bouleversé. Pierre, Star Academy 2023, sa rencontre avec Lara Fabian gravée à jamais en lui, une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Déjà parce que chanter avec Lara Fabian n'est pas donné à tout le monde. Mais aussi pour ce déblocage qu'elle lui a apporté, alors qu'il souffrait depuis plusieurs semaines. Dans les pages du magazine Ici Paris, le grand gagnant de la Star Academy 2023 se livre sans filtre sur cet instant. Je n'arrive pas à me l'expliquer. J'étais un peu moins en forme et Lara l'a décelé. Quand elle m'a pris dans ses bras, sans rien me dire, elle a débloqué quelque chose, assure-t-il. Et d'ajouter, moi, qui ne suis pas émotif, j'ai craqué. Je crois que je n'avais jamais pleuré ainsi. Ça m'a fait du bien. Si est-il un moment fort que je n'oublierai jamais. Et il n'est pas le seul. Les téléspectateurs avaient largement commenté la séquence sur les réseaux sociaux. Star Academy 2023, Pierre et Elena en couple? Il répond cette femme qui a bouleversé Pierre, si est-il donc Lara Fabian. Mais une autre figure féminine lui a permis d'avancer dans les meilleures conditions dans l'aventure. S'il ne se doutait de rien au château, Pierre apparaissait ultra proche d'Elena devant les caméras de TF1. À tel point que beaucoup les ont imaginés en couple. En réalité, il n'est né rien. J'ai été un peu surpris. Avec Elena, on s'entend très bien, car on a les mêmes goûts musicaux et le même humour. Mais il n'y a que de l'amitié entre nous, confirme Pierre, toujours auprès de nos confrères du magazine Ici Paris. Et puis, il faut dire qu'entre la tournée et ses projets musicaux, l'interprète du titre Second était à un emploi du temps très chargé qui laisse peu de place à l'amour.